Hello tout le monde, guys, il est 6h du mat et je viens de me réveiller. Comme vous voyez, je suis dans ma douche en train de brosser mes dents. Et mon mari qui arrive, qui est en train de me provoquer, j'étais là genre arrête, je suis en train de brosser mes dents. Là il est temps pour laver mon visage, j'utilise Fenty Beauty, Fenty Skin sur mon visage comme savon et tout. C'est trop bien, ça fait 2 ans que j'utilise et je suis vraiment satisfaite. So, comme vous voyez là, je suis en train de clean très bien. Ensuite, je vais venir mettre mes sérums Ordinary. J'en ai 2, comme vous le savez. Et je suis juste là en train d'appliquer. So, je prends le deuxième, j'applique. I'm so sorry guys si vous écoutez le bruit de la télé. Je suis avec mon fils juste à côté. So yeah. Ensuite, je vais venir prendre la crème CeraVe avec comme un sunscreen. Je pose. Et là, je suis en train de prendre mon oral rinse et you know, j'ai fini de me débarbier le matin. So, je vais essayer juste de ranger les salons parce que c'était n'importe quoi. Mes enfants dorment encore. Samir qui dort, Nasser qui dort. Et il y a mon mari qui est juste là en train d'ouvrir ses mails et tout ce qu'il a réussi. So, il est en train de regarder. Je me suis dit non, je dois en tout cas faire vite avant que les enfants ne se réveillent. So, comme vous voyez, je suis en train d'enlever les jouets. Je suis en train d'enlever tout ce que j'ai utilisé pour boire. Si vous avez bien remarqué les cadeaux qu'on m'a donné pour mon mariage après 2 ans. J'étais en train de filmer hier, j'ai tout laissé. J'étais KO aussi. So, là, je prends mon balai. Je n'utilise pas mon vacuum parce que si je l'utilise, je vais carrément réveiller mon fils. Et là, je suis en train de faire vite parce que j'ai quelque part pour où aller. So, yeah. Je suis là en train de clean, en train de balayer. Je sais pas pourquoi ça bug. Ça fait longtemps que j'ai fait des voice-over. Mais bon, ça continue. Comme vous voyez, je continue à balayer. And de partout en fait. So, comme vous voyez, il y a même des sachets de diapers. Samir, il prend des diapers, il les enlève dans les cartons, dans les sachets. Il jette, vous savez, les enfants, et puis avec leur âge. Donc, je suis habituée. Et qu'est-ce que je vais faire? Je continue. Il va mieux grâce à Dieu. Tiens, chérie. On va voir d'abord ton doigt. Ça, c'est pour moi. Tiens. Ah!
là, il est temps de faire le petit déj pour mon mari. Et donc, il avait besoin du matcha green tea. So, je me suis décidée de faire ça vite fait. Mais le mal, j'ai oublié que j'avais un petit mixeur là que j'avais acheté chez Marshall. Donc, j'ai gardé ça et j'ai carrément oublié. C'est après que je me suis rendu compte que non, j'ai tourné avec ses pailles en verre. Et il a laissé des petits boules-boules là. C'était pas vraiment bien mixé. Et après, je me suis rendu que non, j'ai l'ai. C'est là que je suis en train d'augmenter hot milk cream. Guys, c'était trop bon. En tout cas, c'était trop, trop bon. Vous voyez, comme j'ai tourné, là, il y a des petits trucs sur le verre, si vous voyez très bien. Je vais augmenter des glaçons pour que ça soit un peu froid et tout. Donc, c'était vraiment bon. J'ai fier de moi parce que c'est la première fois que j'ai essayé de faire ça. Il était vraiment comme celui du Donkey Donald's, si vous avez déjà essayé. Si vous voulez aussi essayer ces trucs ici, en tout cas, n'hésitez pas à essayer comme j'ai fait là. Très facile. Cela, je vais donner à mon mari. Regardez, j'ai mis des hot milk cream et je tourne. Cela, je lui ai déjà donné et je vais prendre du strawberry et quoi d'autre? Et des œufs pour faire son breakfast. Actually, strawberries et les œufs, c'est son meilleur breakfast le matin. Et puis c'est rapide, donc Dieu merci. Il ne se plaint pas, non, change ceci, change cela. Je change quand j'ai besoin, mais en tout cas, c'est son préféré. So, yeah. Donc là, je suis en train de faire rapidement. J'ai fait déjà mes œufs. Et là, j'ai mis un peu de sirop. Il aime beaucoup mettre du sirop sur ses strawberries. Et là, je vais aller retirer mes tartines de pain dans mon toaster. So, et directement, je vais lui donner. Voilà. Et là, du coup, je vais aller laver le cire. Je l'ai lavé. Et ensuite, j'ai lavé Samir. Et du coup, j'ai fini avec Samir. So, là, je suis en train de prendre les assiettes que j'ai lavées dans la machine hier soir. Je suis en train de tout poser. Et par après, je vais prendre tout ce que j'ai utilisé ce matin pour mettre où dans la machine. Comme ça, j'essaie de libérer la cuisine, que ce soit propre avant que je ne parte. So, il y a Samir qui ne me laisse jamais, qui est déjà derrière moi là en train de me déranger. Et puis, il est devant déjà. Donc, il s'attend à ce que j'ouvre cette machine pour qu'il commence à faire ce que vous voyez là. Il est en train de faire et tout. So, je suis là en train d'essayer de tout poser pour que je commence, pour que la machine commence à laver. Guys, je sais pas pourquoi je suis stressée à faire ce voice-over, mais il faut que j'explique un tout petit peu comment ça est en train de se passer. Donc, je vais mettre mon savon et je mets Dirty parce que c'était pas encore clean. Et là, je suis juste en train de nettoyer. So, je n'avais pas le choix. J'étais en train de travailler déjà, je fais les ménages. Et ma soeur qui était assise juste par terre en train de jouer, mais nécessitait pas de pleurer, de murmurer et tout. So, je me suis dit, non, mes petits, tu veux blaguer avec moi? Je n'étais même pas encore essayé, je n'avais pas encore essayé de mettre la soeur sur mon dos. C'est juste venu comme ça, je me suis dit, non, mais il s'assoit déjà tout seul. Laisse-moi essayer un tout petit peu, voir ce que ça va donner. So, je lui ai posé sur mon dos, guys, et non, je me suis sentie vraiment, 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 vraiment à l'aise. Lui, par contre, il ne voulait pas au début. Et puis après, il s'est dit non, mais ça va. Hein? Guys, parce qu'il ne me laisse pas. Il ne me donne même pas du temps à faire ce que j'ai envie de faire. Ou disons, à finir avec le ménage. Comme vous voyez, ses pieds, il est en train de bouger. Là, il ne comprend pas ce qui se passe. Quoi. So, je l'ai posé au dos pour la première fois. Et je me suis dit non, c'est bon. So, là, je suis en train de finir ce que j'ai à faire. Je suis en train de faire le déjeuner de Samir. Parce qu'il n'avait pas encore pris de céréales. Et c'est comme ça que monsieur était sur mon dos et tout a commencé aujourd'hui même. Donc le dos là, il va vraiment... Oh, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va grâce à Dieu. Donc je suis très ravie et très excitée de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, je me suis réveillée aujourd'hui trop tôt, 6h du mat. Et Dieu merci, il est 10h10 minutes. J'ai presque tout fini. Il ne reste qu'à faire des petits trucs là, à manger et tout. So, je ne sais pas si vous avez vu une de mes vidéos. Si tu n'as pas encore vu, va regarder. Il y a une de mes vidéos où je vous ai dit que je suis partie à l'hôpital. J'avais des symptômes de grossesse.
So, mes résultats n'étaient pas encore sortis, donc les résultats sont sortis aujourd'hui et on m'a appelé pour aller prendre le médicament à la pharmacie. Mais en même temps, je dois passer aussi à l'hôpital encore. Imaginez-vous, j'avais quelques problèmes tous ces jours-ci et je ne savais pas ça. C'est très important d'aller à l'hôpital et faire juste le check-in comme nous. Ici, chez nous, on fait le check-in chaque mois, nous tous à la maison. Et donc voilà, j'ai des médicaments que je dois prendre qu'on m'a prescrit pour moi et c'est ce que je vais aller prendre tout de suite là. Et après, je serai à la maison, c'est tout. Aujourd'hui, je ne suis pas trop sûre qu'on soit, mais il y a le soleil dehors. Déjà, j'ai mis un petit truc comme ça, c'est une petite robe, comme ça, avec des fleurs, vous savez. Et puis, je trouve qu'il est, je suis trop à l'aise avec. Et je vous montre les sanglés que j'ai achetés hier à Nassir et son truc, il est trop sexy. Il faut de tout le monde, oui. Les plus happy baby, oui, oui. Donc, c'est ça, c'est juste trop beau et il est à l'aise. Imaginez, c'est 9 mois à 12 mois. Donc, il est à l'aise dans son truc. Là, on est en train d'attendre mon mari qui arrive. Et Samir aussi qui est là. Je les ai tous mis en cinglé parce que vraiment, il fait très chaud. Et ils ont aussi envie d'enjoy the weather outside. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour vos retours sur la vidéo d'hier. Et aussi, je voulais vous dire que Samir, ça va déjà mieux. Je pense que le truc, la pommade que j'ai mis, l'huile de bois sur son doigt, ça a vraiment fait l'affaire parce que c'est encore rouge, mais il ne pleure pas et il utilise, je trouve qu'il utilise ses doigts. Les enfants, comme ils ne savent rien, aujourd'hui, il est allé encore là-bas. Je lui ai même dit, Nasir, be careful because here is a dangerous place for you. Et il est venu encore, il ne sait pas. But la nuit, on n'a pas vraiment très très bien dormi. Il s'est réveillé une fois, je devrais lui faire son biberon et tout. Make sure he's there. He's doing great. Et regardez s'il n'a pas de la fièvre toute la nuit. Et au final, il s'est endormi. Donc, Dieu merci, tout s'est très bien passé. Few moments later. So, guys, j'ai fini avec l'hôpital. Je viens de l'hôpital, donc j'ai déjà la carte avec moi. Et là, je vais juste aller prendre le médicament à la pharmacie. Il fait très beau dehors. Oh my gosh. Oups. J'ai pris des médicaments. Sauf que je suis malade. Parce que vous savez, bien que j'ai l'assurance, mais mes médicaments coûtaient 7,25 $. Sauf que je suis malade et je ne sais pas. J'ai des médicaments à prendre pendant tout le mois. Et donc, je dois repasser à l'hôpital. Like how I told you guys, chaque mois, nous, on passe pour les check-in. Mais c'est un peu ça. So, yeah. Pour la journée d'aujourd'hui, il est 11h51. J'ai fait mon poulet déjà. Pendant que je suis en train de faire la vaisselle et tout, ranger les enfants, les poulets étaient déjà au feu. So, je vais essayer de faire un peu de plantain vite fait pour moi. Mon husband vient de sortir et je vais faire des frites pour Samir. Je vous ai dit que Samir il mange des frites, maintenant il aime trop, so, je vais faire ça pour lui. Par contre j'aime beaucoup, c'est beau non? J'aime beaucoup les plantes parce que je suis trop à l'aise. So, pour finir, I hope y'all enjoying this video. Make sure you give a thumbs up, subscribe on my YouTube channel for more videos. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien. La dédicace va encore une fois chez so, merci à toi Jasmine de l'île de la Réunion. Elle c'est ma chérie, c'est ma go, tu es là donc le commentaire vraiment toi je pense que tu likes la vidéo même avant moi même. Premier commentaire c'est toi, elle commente même 3 fois 4 fois pendant la journée guy. Merci beaucoup ma chérie, merci d'être présente, merci de poser des questions, merci de tu es là avec moi, so je sais pas quoi te dire. Honnêtement, je suis très reconnaissante en tout cas de ton amour envers mes vidéos et moi-même. En tout cas, merci beaucoup. Hier, on était en train de regarder comment tu commentais ma copine et moi, celle que tu m'as demandé même de saluer, Shaina. Elle était très contente de voir que tu fais partie de ma famille YouTube et tu es vraiment quelqu'un de bien. Beaucoup d'amour et on est ensemble. I love you all. Jesus love you. And I will see you guys in the next one. Bye.